étranger, connaissez-vous vision plus heureuse de la nature même de notre région charbonnière? Dans un cirque de terris dont les masses témoignent de l'activité des générations, quelques échappés vers les cités ouvrières que constituent les communes de Châtelineau, Gilly et Montigny-sur-Sambre. Une cour de fosse, au centre, alerte, toujours active, les molettes d'un très ancien et très vivant charbonnage de chez nous, le Trieux-Quézin. Il est 6 heures du matin, les corons s'éveillent, les ouvriers du poste de jour arrivent pour descendre à 6h30. Le passage au contrôle est obligatoire. Chaque ouvrier y reçoit une médaille qu'il échangera bientôt contre une lampe portative. La journée finie, la reprise de la même médaille certifiera sa remonte et permettra ainsi un contrôle rapide et certain. Mais d'autres services sont déjà sur pied. À toute heure du jour ou de la nuit, certains dépannages peuvent être nécessaires. La rapidité d'action peut parfois éviter les conséquences graves d'incidents en eux-mêmes très légers. Une pompe est avariée au niveau de 392 du puits numéro 1. En peu de temps, la réserve sera conduite à pied d'œuvre. La modernisation des engins est pour cela indispensable. Les usages de la mine exigent des manutentions fréquentes de pièces lourdes. Les appareils de levage seront proportionnés à ces exigences. Les grues mécaniques et certains élévateurs modernes rendent souvent de très grands services. Parmi les réserves nombreuses que compte un charbonnage prévoyant, celle des câbles d'extraction constitue un élément primordial. Tout câble en service est doublé par un câble de réserve. Ces derniers sont enroulés sur bobine, sont stockés dans des hangars possédant un quai et prêts à être chargés en très peu de temps sur des wagons spéciaux. Une fois placés, ils font l'objet d'une surveillance régulière et soignée de la part des agents de la société et des visiteurs légalement attitrés. En tout temps, un treuil spécial monté sur wagon est tenu en réserve pour permettre l'accès éventuel au fond de la mine en cas d'avarie grave au dispositif d'extraction. Malgré la généralisation du soutènement métallique en taille ou en galerie, le charbonnage belge reste gros consommateur de bois, d'où ses stocks de résineux du nord ou d'essences diverses abattues dans nos forêts. Les bois coupés sont triés suivant les longueurs et les diamètres courants. Ils sont servis aux différents sièges d'après les besoins de l'exploitation. Mais ceux-ci peuvent varier, car nos couches de charbon sont parfois capricieuses. Les chefs forions doivent prévoir. Le service des bois doit pouvoir répondre aux demandes formulées. Tout est prévu pour réduire au minimum certains travaux accessoires qui entraveraient la productivité de l'abatteur de charbon, responsable du soutènement de l'endroit où il travaille. Non seulement les bois sont coupés à la longueur voulue, mais encore l'épaulement qui forme l'extrémité supérieure de l'étançon, le tain, comme disent nos mineurs, est façonné à la surface. Des machines rotatives à grande vitesse, équipées de toupies adaptées, exécutent ce travail. Dans certains cas, des bois équarris, des madriers, des planches sont requis pour des installations de tout genre, portes, planchers, garnissages divers. Les grumes sont débitées à cet effet. L'ensemble des bois demandés est transporté sur wagon plat et déchargé tout près des puits. Dans la plupart des cas, l'éclairage de la mine est assuré comme autrefois par la lampe portative. Cependant, depuis longtemps, la lampe électrique à accumulateur a détrôné la célèbre lampe à flamme que l'on rencontre maintenant dans les salons. Les lampes à l'huile et à benzine ne sont cependant pas pour autant disparues. Elles restent absolument indispensables à la sécurité du personnel. Elles servent de témoins
et constitue le seul moyen rapide et sûr de détecter la présence du grisou. En conséquence, dans les exploitations grisouteuses, les ouvriers occupant certaines places dans les chantiers, ainsi que les membres du personnel de maîtrise, sont soumis à l'emploi de ce type de lampe qui constitue l'une des inventions les plus efficaces de l'art des mines. Les lampes électriques, comme les lampes à flammes, sont vérifiées, nettoyées, soignées, comme des objets sans lesquels, dans une mine, toute activité est abolie. Leur fermeture est hermétique et seuls des déverrouilleurs magnétiques installés aux lampisteries permettent de les ouvrir. L'expérience de Philomène et de Marie remonte à plusieurs lustres. Le travail qu'elles exécutent tous les jours est obscur et cependant primordial. Sur elles peuvent reposer la vie de ces hommes qui, en toute confiance, emportent leur lampe. Dès l'armonde, la lampisterie vérifie les rentrées. Massés dans cette salle, aux abords du puits, les ouvriers sont prêts à descendre. Coiffés du casque protecteur, munis de leurs masques, d'outils, portant le briquet, comme on dit chez nous, contenant le repas qu'ils prendront au milieu du poste, ils attendent l'heure de la cage. C'est ici que chacun reçoit de son chef porion les ordres pour la journée. L'entrée dans la cage, qui peut contenir 100 hommes, se fait avec prudence. Les préposés aux sonneries sont présents et attentifs. Après transmission des signaux au machiniste, la cage s'ébranle et disparaît dans le puits. Ce câble si léger, peut-on s'y fier, direz-vous? Mais oui, sa charge de rupture a été vérifiée. Elle est de 360 tonnes. Le poids maximum que le câble supporte ne dépasse pas 44 tonnes. La machine d'extraction est du type queue. Un moteur électrique de plus de 2000 chevaux actionne une poulie géante de 8 mètres de diamètre. Cette poulie entraîne par friction un câble unique qui, à chacune de ses extrémités, supporte une cage. Un indicateur de position permet au machiniste de repérer à chaque instant la position des cages dans le puits. La transformation du courant à 6000 volts fournie par le réseau est réalisé dans un groupe Watt-Leonard qui tourne à la vitesse de 750 tours à la minute et fournit au moteur du courant continu à 950 volts. L'arrivée à bon port de ceux que la cage emporte dépend d'un homme dont la conscience, la faculté d'attention et l'équilibre nerveux doit être assuré. Le machiniste d'extraction est un ouvrier d'élite qui connaît ses responsabilités. Son attention est fixée sur deux choses, les sonneries et l'indicateur de position. Le niveau inférieur se trouve à 1000 mètres. Dès son arrivée, la cage est immobilisée par des freins puissants commandés par air comprimé. La forme d'énergie la plus répandue est encore chez nous l'air comprimé. Malgré les progrès de l'électrification, il assure la marche de la majeure partie des engins mécaniques installés au fond de la mine. La production est réalisée dans des compresseurs puissants, dont l'un d'entre eux, de construction récente, atteint 1100 chevaux. C'est l'air comprimé qui actionne dans les travaux souterrains les outils pneumatiques, piqueurs, perforateurs, les ventilateurs secondaires à installation provisoire, les moteurs à mouvement alternatif pour couloir d'évacuation, les moteurs turbinaires des transporteurs de tout genre, les treuils, les chargeuses, certaines pompes à faible débit, de même que les installations d'éclairage électropneumatique. D'autres compresseurs, moins puissants et plus anciens, constituent un ensemble de réserves qui peut éventuellement assurer le service. Ces unités sont toujours en état de marche et peuvent démarrer à tout moment en cas de besoin. Monsieur Jacques,
directeur gérant contemple une statue de Sainte-Barbe en bonne place à 905. Lors d'une visite à cet étage, nous avons eu l'honneur de rencontrer la direction de la mine en tournée d'inspection. Monsieur Jacques, directeur gérant. Monsieur Skerlings, directeur des travaux. Avec un peu d'attention, cette vue va nous permettre de voir passer à la vitesse de 70 km à l'heure la cage d'extraction en pleine translation le long du puits. Délégué à l'inspection des mines, exécute de fréquentes descentes. Lors d'une rencontre avec le conducteur des travaux, un échange de vues concernant le chantier visité semble intéresser les deux interlocuteurs. L'étage de 905 est un étage mécanisé et son électrification déjà avancée se poursuit. Les sous-stations du fond sont munies de dispositifs anti-grisouteux prévus par la loi. Ces sous-stations sont fermées et sont signalées aux passants dans les mêmes conditions qu'à la surface. La liaison souterraine est garantie par le téléphone automatique, aussi bien d'ailleurs que la liaison avec la surface. Mais en plus, l'installation permet de se relier au réseau public. En cas d'accident ou d'incident grave, les délais d'appel sont de courte durée et les secours peuvent être immédiatement organisés. Parmi les travaux les plus caractéristiques de la mine, celui du creuseur de bouveaux, dit bouveleur, évoqua toujours une idée de force et d'endurance. On appelle bouveau toute galerie en roche qui en général établit les communications avec les couches de charbon. Les bouveaux sont percés à travers des terrains parfois très durs. Ce travail exige toujours l'emploi des explosifs et par conséquent du matériel de forage nécessaire à l'utilisation de ce procédé. Le percement des trous de mine destinés à recevoir les cartouches de dynamite en vue de la dislocation de la pierre a fait l'objet, tant en Europe qu'aux États-Unis d'Amérique, d'études approfondies et systématiques. Ces études ont permis la construction d'engins de forage de plus en plus perfectionnés. Parmi eux, le Jumbo américain, actionné par l'air comprimé, possède deux perforateurs percutants de 35 kg, munis chacun d'un dispositif d'abattement des poussières par injection d'eau. Sans cette injection, l'atmosphère serait très nocive, pour ne pas dire irrespirable. Les trous de mine sont creusés à des vitesses de pénétration variant de 20 à 80 cm à la minute. Ils sont disposés suivant des schémas standardisés et forés à des profondeurs de 1,20 m à 2,50 m suivant les cas. Des charges de dynamite de l'ordre de 10 à 15 kg seront nécessaires pour disloquer et expulser les terres correspondant à 1 ou 2 mètres de longueur de galerie. La détection du grisou, l'ennemi numéro un du mineur, que la dynamite pourrait enflammer et faire exploser, constitue l'objet de la plus grande préoccupation du bout de feu, qui au moyen de sa lampe à flamme, s'assure à plusieurs reprises de l'état de l'atmosphère ambiante. La mise en œuvre des explosifs dans les mines ne peut se faire que suivant des conditions de sécurité déterminées et prévues dans un règlement précis et soigneusement respecté. Le chargement proprement dit se fait par le bout de feu qui introduit successivement les cartouches, la cartouche amorce et enfin l'argile nécessaire au bourrage qui joue un rôle important dans la qualité de l'explosion. Par des exploseurs électriques conditionnés, vérifiés
et admis par le contrôle de l'Institut national des mines. Ces exploseurs, manœuvrés par le bout de feu responsable, lancent dans les détonateurs le courant nécessaire et provoquent ainsi l'explosion. Dès que les terres expulsées ont été évacuées, l'équipe assure le soutènement des tronçons qui viennent d'être découverts. Les cadres métalliques constituent le moyen le plus fréquemment employé pour l'armature des galeries, comportant par exemple trois pièces rendues solidaires par un système de clamage approprié. Ils pourront, suivant les charges des terrains et les pressions exercées par ceux-ci, coulisser sur eux-mêmes, de manière à supporter plus longtemps l'effet de ces pressions. Grâce au coup de hache énergique et précis du mineur, il faut peu de temps pour tailler à longueur les bois nécessaires au calage des cadres entre eux, qui seront ainsi protégés contre les renversements que pourraient provoquer les minages ultérieurs. Le garnissage peut aussi se faire en tôle d'acier et dans certains cas, constituer un blindage partiel qui assurera parfois définitivement la galerie contre toute chute de pierre. Dépouillés par les bouveaux, nous arrivons au chantier d'exploitation. Approchons-nous de l'un d'eux. C'est ici que le cinéaste a rencontré le plus de difficultés pour accomplir sa tâche et certaines de ses vues ont été prises dans des positions invraisemblables. Nous y rencontrons celui qui mérite entre tous notre considération et notre reconnaissance. L'ouvrier à peine, l'abatteur, mineur par excellence. C'est sur lui que repose toute l'entreprise. C'est en fonction de la tâche qui lui est dévolue que tous les autres organisent et effectuent leurs propres tâches. 98% du charbon belge est abattu par le marteau piqueur à air comprimé. C'est donc l'outil spécifique de l'ouvrier à veine. Le premier souci des chefs d'exploitation en visitant les chantiers reste toujours le grisou. Le directeur de travaux procède ici lui-même à la vérification. Tino prépare le creusement d'une voie principale au pied de la taille de Léopold à l'étage de 1000 mètres. Il fait pénétrer dans la couche l'aiguille acérée de son piqueur, fait éclater la masse charbonneuse au joint des clivages et détache à chaque coup une quantité respectable de charbon. Faisant corps avec l'outil, un pulvérisateur d'eau abat les poussières au fur et à mesure de leur formation. Des produits d'effet sont évacués immédiatement dans des chariots de près de 1 mètre cube qui seront dirigés rapidement vers le puits d'extraction. Certains chargements sont mécanisés, mais d'autres ne justifient pas cette mécanisation. Guisep s'en passe en tout cas très bien, et son coup de pelle suffit à assurer à son camarade l'évacuation des charbons abattus. Il ne suffit pas d'abattre le charbon. Il faut encore garantir sa sécurité personnelle. En déhouillant la couche, l'ouvrier a découvert une portion de toit qu'il doit étançonner avant de poursuivre son travail productif. La chute de pierre, voire même l'éboulement, peut meurtrir, blesser grièvement ou tuer l'imprudent qui viole les consignes. Dans notre pays, le charbon se trouve amassé dans des couches parfois très minces et dont l'ouverture exploitable peut descendre jusqu'à 35 cm.
la veine Léopold, qui forme dans tout le bassin houillé une couche caractéristique de la masse des terrains que les géologues dénomment massif de Châtelet, à cause de la constance de certains signes que l'on y retrouve partout, possède à l'étage de 1000 mètres une ouverture très favorable et compte 65 cm d'épaisseur. Mario s'y meut avec beaucoup d'aisance et d'efficacité. Parfois, au passage de l'ingénieur, un échange de vues s'engage au sujet, par exemple, de la dureté du charbon, de la qualité du toit ou de la variation dans la composition de la couche. L'évacuation du charbon en taille se fait de bien des manières, depuis le simple train de tôle glissante jusqu'au convoyeur à bande souple en caoutchouc. Ici, nous pouvons voir un transporteur à raclette qui consiste essentiellement en une chaîne à palettes déplaçant le charbon dans un train de couloir calibré. Le mouvement est reçu d'un moteur turbinaire à air comprimé qui se trouve en tête de l'appareil, à l'endroit même où, par un brusque retournement de la chaîne, les produits transportés sont basculés dans le chariot. Un pulvérisateur à eau abat ici encore la poussière soulevée et rend ainsi à l'air ambiant ses conditions de salubrité. Prochaine, vous parcourez l'Italie. Veuillez, lorsque vous passerez par la Toscane, la Romagne, l'Émilie ou la Sicile, accorder un souvenir sympathique à Gino et à Giuseppe que vous avez vu il y a quelques instants, ainsi qu'à Mario et à Seferino qui boivent ici à votre santé. Ces installations proprement dites d'extraction sont étudiées de telle manière que les puits et les machines puissent être utilisées au maximum. La réduction des temps morts et des temps de manœuvre est recherchée partout. Parmi les systèmes imaginés et réalisés par les ingénieurs, la balance hydraulique constitue, malgré son ancienneté, un procédé facile et rapide. Il permet l'indépendance des manœuvres entre le fond et la surface. Pendant que la cage arrivée au jour est desservie directement par la machine, celle qui se trouve au fond repose sur un tablier mobile commandé hydrauliquement qui se meut dans le puits et présente successivement ces 6 compartiments superposés. L'opération comprenant le remplissage d'une cage par des chariots pleins qui expulsent automatiquement les chariots vides dure moins d'une minute. Les vallées ou descendries sont des galeries inclinées qui desservent des sous-étages dont le niveau de circulation ne correspond pas au niveau des accrochages des puits. Des treuils à double tambour, électriques ou autres, fonctionnant suivant les principes des machines d'extraction, sont destinés à remonter le long de ces vallées les produits des chantiers formant ces sous-étages. Une économie de main-d'œuvre consiste à commander ces treuils à distance au moyen d'un tringlage approprié et à rassembler de cette manière plusieurs attributions dans les mains d'une seule personne. C'est ainsi que Jean-Baptiste, ici présent, conduit son treuil, envoie les wagonnets vides et reçoit les wagonnets pleins à la tête d'un manège situé à l'étage de 640. Thank you.
Au contraire, les produits du sous-étage, au lieu d'être remontés, doivent être descendus à un niveau indiqué. On établira par exemple une liaison par puits intérieur ou burquin. Le poids d'une cage contenant un wagonnet chargé suffira à provoquer l'ascension de l'autre cage contenant un wagonnet vide. La mécanisation des abords de ce puits permet à Mario de recevoir 120 cages par heure au pied de ce burquin de 90 mètres de long, le long duquel les vitesses instantanées atteignent 12 mètres à la seconde, c'est-à-dire à peu près 45 km à l'heure. Les transports principaux sont assurés par des locomotives diesel. La locomotive de mine est un engin ramassé, robuste, puissant, souple et relativement rapide. Son moteur à combustion peut développer pour les types utilisés couramment de 9 à 38 chevaux. Le modèle moyen de 28 chevaux pèse 6 tonnes et peut atteindre à terrain plat et en charge normale la vitesse de 20 km à l'heure. Les garages de locomotives sont construits pour répondre aux conditions d'ailleurs légalement imposées de sécurité et d'aération. C'est dans ces garages que se font tous les travaux d'alimentation, réglage et réparation. Une cave de visite est aménagée de manière à pouvoir faciliter aux mécaniciens l'inspection des organes difficilement accessibles. Les transports sont pour les ingénieurs, comme d'ailleurs pour tout le personnel de maîtrise, un souci constant où la recherche de l'amélioration est poursuivie sans relâche. C'est la régularisation de la distribution des wagonnets dans toute la mine au prorata des besoins des producteurs qui permet de garantir à ceux-ci la réussite du rôle qui leur est assigné. Au sortir des voies secondaires, les transports sont rassemblés en des rames plus longues traînées par des locomotives. Ces rames de 40 à 60 chariots sont amenés sur la station de base de l'envoyage principal. À 1000 mètres, l'encaissage se fait mécaniquement par pousseuse pneumatique, auquel fait corps un système d'éclusage qui distribue à la cage des groupes de deux chariots. De wagonnets vides se reforment au sortir de la cage et sont remontés mécaniquement par une chaîne releveuse au vrai niveau de la station de base. Ils sont emportés en sens inverse des chariots pleins et redistribués pour finir dans les différents fronts de la production. Pour compenser l'élasticité du câble et ses allongements permanents, un dispositif de table mobile est rendu solidaire de la pousseuse et ici comme ailleurs, assure l'indépendance des manœuvres du fond et de la surface. La mécanisation de l'arcette de surface est réalisée suivant les mêmes principes qu'au fond. Les wagonnets vides propulsés par une pousseuse pneumatique entrent dans la cage en y chassant les wagonnets chargés qui sont immédiatement orientés vers les triages si ce sont des charbons ou vers le terri si ce sont des pierres. Le transport mécanique de la surface se fait ici par traînage à chaîne flottante. Ces chaînes sans fin, entraînées par des poulies, mues elles-mêmes par des moteurs électriques, reçoivent les chariots qui s'accrochent au moyen de fourches rivées à leur caisse. Les charbons bruts sont dirigés vers le rivage de la Sambre, que longe d'ailleurs la ligne de chemin de fer de Namur à Charleroi. Nous pouvons voir là de vastes installations qui
comportent dans leur ensemble les triages, les ateliers de concassage et criblage à sec, un lavoir classique à bac à piston, un lavoir à liquide dense de conception très récente, ainsi que les fabriques de produits agglomérés. Après culbutage des charbons bruts sur des cribles distribuant les produits au triage et au lavoir suivant leur catégorie, les chariots vides sont repris par chaîne et entraînés vers le puits pour recommencer un cycle. Le terri reçoit les pierres extraites comme telles, ainsi que les schistes de triage lavoir, par type de 5 tonnes qui sont déversées sur ces pentes. Les charbons lavés et classés sont amassés dans des tours de dimensions variables qui permettent d'emmagasiner les produits durant quelques heures en attendant l'arrivée des moyens de transport. Ces tours peuvent être vidées directement dans les wagons. Parfois, un transport auxiliaire, par benne ou par convoyeur mécanique, dirige les charbons vers des stations de chargement, de camions ou de bateaux. La proximité de la Sambre a permis ici le développement de ce type de transport par bateau pour lequel des dispositifs importants ont été construits. En période de difficulté de vente, les produits de l'extraction peuvent être gardés sur des aires de stockage très étendues, et cela jusqu'au retour des périodes plus favorables. Dès le poste terminé, les ouvriers du fond sont remontés à la surface dans les mêmes conditions d'ordre et de sécurité qu'à la descente. Les lampes sont rentrées à la lampisterie et les médailles de contrôle retirées de leur tableau. Tous se dirigent alors vers les vestiaires où chacun dispose de 2 armoires individuelles, de manière à pouvoir séparer les vêtements de ville des vêtements de travail. Un courant d'air sec et chaud traverse ces armoires et est aspiré par les cheminées débouchant au sommet de celles-ci. Les douches sont contenues dans une vaste salle dont le nettoyage fréquent, allié à la nature même de la construction et des revêtements, assure la propreté, d'ailleurs la plus sévèrement exigée, aussi bien par la direction que par la délégation ouvrière. Suivant les lois et les coutumes belges, ces douches sont isolées les unes des autres. Mais le cinéaste est un homme indiscret, ce qui nous donnera l'occasion de voir le processus de transformation de l'homme noir en homme blanc, qui dans quelques minutes, reprendra le chemin de son foyer. Une initiative heureuse et couronnée de succès fut celle d'entreprendre, il y a quelques années, le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail dans des locaux bien adaptés et au moyen du matériel le plus perfectionné. Tout ouvrier peut donc éviter de reporter chez lui ses effets poussiéreux dont la lessive fut de tout temps considérée par les ménagères comme un travail pénible et long. Le linge est lavé, rincé, séché, repassé et réparé éventuellement dans des délais très courts. La vie d'un charbonnage est une chose obscure, et bien des gens qui chaque jour achètent et brûlent le charbon, ne fût-ce que dans leur foyer domestique, en ignorent
les plus simples éléments. L'humble travail des gens de la mine mérite cependant d'être apprécié. Bien des qualités sont requises de ceux dont vous avez entrevu quelques représentants. La force, l'endurance, l'attention, l'adresse, la prudence, le courage devant le danger, le jugement, la volonté lorsque dans certaines circonstances difficiles, un effort spécial est requis. La solidarité aussi, qui, vous le savez, atteint parfois les sommets de l'héroïsme. Bref, ce métier méritait bien un film qui n'a comme prétention que de faire connaître une de nos industries de base à quelques-uns de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'y initier autrement. Quant à ceux qui d'avance connaissaient bien ces choses, peut-être auront-ils éprouvé quelque plaisir à voir courir sous leurs yeux des scènes familières que le cinéma éclaire et fait ressortir de manière attachante. Il existe beaucoup d'autres aspects que la caméra n'a pas explorés. Elle ne pourrait le faire qu'avec beaucoup de peine. Ce que, en tout cas, elle ne pourrait pas exprimer, c'est cette mouvance constante de la vie des mines, pareille elle aussi à un film, dû au changement continu qu'offre ou impose la nature et que seuls connaissent ceux qui tous les jours vivent de cette vie.